Bonjour à tous, c'est Kelwi et bienvenue sur ma chaîne. Comme demain, je pars pour le week-end, j'ai décidé de vous partager ma petite trousse de toilette minimaliste et bio. Quoique, elle aurait pu être plus minimaliste que ça, mais c'est déjà pas mal comparé à quelques années auparavant. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous plaire, qu'elle pourra vous être utile, c'est le but. Tout ce que j'emmène avec moi pour ces 3 jours concernant la cosmétique, le maquillage et les soins, l'hygiène, bref, voilà, vous avez compris, se trouve dans ces 2 trousses de toilette. J'aurais pu faire plus simple, en fait j'aurais pu tout regrouper dans celle-ci, mais je tenais absolument à vous reparler de cette magnifique pochette-ci. Je vous en parle juste après. J'ai les cheveux absolument électriques juste au moment de filmer. C'est chiant. Bref. On va commencer avec la première petite trousse de toilette. Esthétiquement, voilà, je la trouve jolie. C'est un petit plus, c'est sûr. C'est une pochette de la box Evidence. Et du coup, je vous spoil un peu le contenu de la box Evidence. Ce sera la prochaine vidéo. Du coup, je ne vous en dis pas plus. Première petite chose que j'emmène, bien évidemment, l'huile de jojoba que je vais utiliser comme huile démaquillante parce qu'elle est très efficace pour ça et comme huile de soin. Vous savez maintenant que j'utilise uniquement de l'huile végétale sur ma peau le matin et le soir. Je jongle entre l'huile de jojoba et le thé blanc et c'est celle-ci que j'amène. Là pour le coup, elle sera double fonction et c'est pratique pour ne pas trop s'encombrer lors de déplacements ou de week-end. Bien que si j'aurais voulu faire mieux, j'aurais pu transvider un peu de son contenu dans un plus petit flacon. C'est vrai. Ensuite, ce tout petit savon, pareil, qui aura double fonction pour nettoyer mon visage et mon corps. C'est un savon format voyage de la savonnerie Aubergine, ma savonnerie préférée. Je ne vous la présente plus cette fois-ci. Bon, par contre, c'est pas mon savon préféré. Mon préféré, vous savez que c'est le bouton d'or pour le visage. Une fois de temps en temps pour le corps, bon, ça fait pas de mal. Celui-ci, c'est l'anisé. Bon, il est pas mal aussi. C'est pas forcément mon préféré, mais il est efficace. Mais sachez que vous pouvez retrouver tous les savons de la marque en format voyage et en format full size sur leur boutique en ligne. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Je l'amène dans cette petite pochette, pareil, de la savonnerie Aubergine. Et là, je me sens absolument bête parce que je ne sais plus du tout sa matière. Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vous le noterai par ici. Mais elle est assez pratique parce que même si vous rangez votre savon dedans encore un petit peu humidifié, j'ai l'impression que ça absorbe en fait l'humidité sans en mettre partout. Et d'ailleurs, dans cette même petite pochette, on peut glisser plusieurs savons. Et du coup, moi, j'y ai glissé. Oups. Merde. Bon, ça va, il n'est pas abîmé. Le pauvre, il est tout nouveau en plus. Donc, le déodorant que je vais amener avec moi, c'est le nouveau déodorant de la savonnerie Aubergine. Donc, je le teste depuis 2 semaines. Et pour l'instant, j'en suis plutôt contente. Même si j'avoue préférer les formats déodorants crème. Ah, c'est une histoire de préférence. Ça ne joue pas sur l'efficacité. Donc, celui-ci, il est parfumé aux agrumes. Et voilà, hein, son format pareil, hein. Il est quand même pas hyper grand, donc facile à transporter, hop, dans la petite pochette. On va rester sur la zone visage, tiens, on va passer aux dents. J'amène bien évidemment ma brosse à dents que j'ai glissée dans cette jolie petite pochette que j'avais reçue de la part de la boutique Asa et Pure, je la trouve trop chouette. Et là, vous allez crier au scandale. Oui. Oui, c'est une brosse à dents en plastique. Je n'ai plus mes brosses à dents Bo Ugly, il faut que j'en rachète et je n'ai toujours pas passé commande. Donc en attendant, je ne vais pas ne plus me brosser les dents. Donc brosse à dents en plastique, voilà, personne n'est parfait. Ne me jetez pas de pierre, s'il vous plaît. Et je peux vous dire que mes gencives souffrent à mort avec cette fichue brosse à dents. Il faut vraiment que je repasse vite commande. Et pour le dentifrice, normalement, j'utilise du dentifrice solide. En règle générale, j'aurais amené celui de chez Pachamamaï, mais je n'en ai plus. Du coup, j'ai cette petite miniature que j'avais reçue dans une box. C'est le dentifrice à l'argile de Katché. Bah, il est efficace, hein, il brosse les dents et c'est surtout pour son format, je trouve que c'est pratique à amener partout. Le petit auriculi de la Mazuna pour mes oreilles. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo, une salle de bain zéro déchet, c'est possible. Je vous la mets en barre d'infos, ça remplace les cotons-tiges et c'est zéro déchet. Voilà, pareil, hein, ça prend absolument pas de place. Si jamais j'ai besoin de me faire un shampoing, mais bon, je vais prévoir de me faire un shampoing avant de partir, comme ça j'en aurai pas à faire une fois sur place. J'amène quand même au cas où une petite dose de shampoing, donc c'est mon shampoing Rampal Latour dont je vous ai parlé dans ma vidéo journal de pouce, journal de soins, une des dernières vidéos que j'ai transvidée dans un petit flacon de je ne sais plus quoi. Voilà, j'aime bien garder les contenants du coup pour ce genre d'occasion parce que voilà, pareil, ça prend pas de place. Pour me démêler les cheveux, sans surprise, j'amène ma petite brosse de sac, mais trop magnifique, de la boutique Guêpe et Papillon. Pareil, elle se glisse partout, elle démêle mes cheveux à la perfection, donc je n'amène que celle-ci, pas de peigne, pas d'autres grosses brosses, pas la peine de s'encombrer. Et pour terminer, je n'oublie pas d'amener un pic à chignon. Bon, celui-ci est dégommé parce que je le porte tellement souvent que la peinture est partie. Mais c'est pas grave, voilà, c'est pour être plus à l'aise, pour pouvoir m'attacher les cheveux sans les abîmer. Et notamment,
ça va vous paraître peut-être étrange, mais pour réaliser ma coiffure protectrice de nuit, puisque là pour le coup je vais pas amener mon cardoon parce que je vais avoir la flemme de le mettre, j'avoue, même si c'est pas si long. Du coup ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je me fais un chignon escargot, mais super haut à ce niveau-là, au niveau du crâne. Je le fais tenir avec un pic à chignon et ça ne me gêne absolument pas pour la nuit. Après, faut pas aller faire des câlins à votre chéri trop près au risque de le piquer. Voilà pour la pochette hygiène soin. Et maintenant, on va passer à la seconde pochette qui contient mon maquillage. Et j'ai glissé tout ça dans la jolie petite pochette de chez La Fossette. Et j'adore absolument ce qu'elle fait. J'adore sa qualité, j'adore ses motifs. Il manque le petit pompon que mes chats ont malheureusement dégommé. Allez hop, on va passer au contenu. Et je vais commencer avec les pinceaux que j'emmène. Ce sont les trois que j'utilise en règle générale pour me maquiller. Bon, j'aurais très bien pu me maquiller au doigt. Et là, je me retrouve embêtée parce que je ne connais absolument pas en fait le nom des pinceaux. On va faire ça sans prise de tête. Premier pinceau que j'emmène, alors oui, je précise que ce sont des pinceaux que j'ai récupérés d'anciennes palettes hein, pour ces deux-ci. Le premier pinceau, c'est un pinceau Kat Von D, et c'est un pinceau, je crois qu'on dit estompeur, c'est ça, n'est-ce pas? Pour venir appliquer mes fards plus foncés en coin externe de l'œil et hop, et estomper avec ce côté-ci. Je l'aime bien ce pinceau, il est hyper efficace, il fait bien son job et il perd pas ses petits poils. Second pinceau que j'emmène, c'est celui-ci, il vient, c'est un Urban Decay, celui-ci pour le coup, et je le prends uniquement pour ce côté-ci, qui est tout plat, tout rigide, tout fin, et je l'utilise pour faire mes rats de cils inférieurs et supérieurs. Et ensuite j'amène ce pinceau-ci de la marque EcoTools. C'est un gros pinceau, je sais pas du tout comment s'appelle ce type de pinceau. En gros c'est pour appliquer mes fards les plus clairs sur toute ma paupière. Voilà. Ensuite, mon crayon à sourcils qui n'est pas bio du tout, puisque je n'en ai plus de bio qui me conviennent, donc j'ai décidé de terminer celui-ci avant d'en racheter un autre. Il vient de chez Emma, il m'a coûté trois fois rien, et c'est la teinte 09 qui me convient plutôt bien. Peut-être un poil trop foncé comparé à la vraie couleur de mes sourcils qui est méga clair. Mais bon, pour le maquillage de mes yeux, j'amène le kit flash make-up de chez Couleur Caramel. Alors lui, il est hyper pratique, bah risque est pareil, il est tout petit. Il contient pour les yeux trois couleurs assez neutres et passe-partout, donc c'est parfait. Il y a un petit blush aussi, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc sachez que ce sont des fards plutôt crémeux, hein, ils ne sont pas poudreux. À l'intérieur du couvercle, vous avez un grand miroir, donc ça reste toujours pratique, n'est-ce pas? Et pour finir, j'amène mes deux petits chouchous de chez Boho Green. Donc je ne me maquille pas le teint, vous le savez, mais je maquille uniquement mes cernes, qui sont assez prononcées. Donc j'emporte toujours avec moi mon anti-cerne favori, c'est le Boho Green en teinte 02. Et j'ai pris aussi un petit rouge à lèvres. Voilà, on sait jamais si j'ai envie d'en porter durant le week-end même. Et voilà ce que j'amène pour le maquillage, c'est tout. Vous aurez remarqué que je n'emmène pas de mascara pour la simple et bonne raison que je n'en porte presque plus en journée, puisqu'en fait normalement je porte des lunettes de vue que je ne porte pas dans mes vidéos, sinon vous avez les reflets avec les éclairages et c'est pas hyper chouette pour vous. Comme mes cils sont assez longs et plats, ils vont vers l'avant, ils sont pas du tout recourbés, lorsque je mets du mascara, ils ont tendance à taper dans mes lunettes et à frotter dans mes lunettes tout au long de la journée, donc c'est pas agréable, en plus ça les salit, ça les tache, et c'est chiant. Et vous allez me dire qu'il y a la solution du recourbe cils avant d'appliquer le mascara, mais non, je n'aime pas parce que je trouve que ça abîme les cils, et ça ne me dérange pas plus que ça lorsque je porte mes lunettes de ne pas mettre de mascara. Voilà, c'est tout ce que j'emmène en général avec moi lorsque je bouge, lorsque je ne dors pas chez moi. J'aurais pu faire moins, j'aurais pu faire plus aussi, mais comparé à il y a quelques années, franchement, j'ai vachement réduit, et ça c'est grâce aux superbes découvertes au naturel, aux produits multifonctions, etc. et au petit format qui reste aussi hyper pratique. Ce que je peux vous conseiller, c'est de toujours garder un ou deux petits flaconnages. Ils sont hyper pratiques pour après mettre vos produits préférés dedans pour vos déplacements. Au moins, ça ne prend pas de place. Et aussi privilégier les produits multifonctions comme par exemple l'huile végétale qui peut être démaquillante, hydratante, nourrissante. Vous pouvez l'utiliser donc, je me répète, pour vous démaquiller, pour hydrater votre peau, pour la protéger, mais aussi pour soigner vos cheveux. C'est tout, je vais arrêter de m'étendre, je pense que la vidéo aura été assez longue. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager. Et on se retrouve très 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 bientôt parce qu'en fait, là, juste après, je vais vous filmer la vidéo de la box évidence de ce mois de février, donc que vous pourrez voir d'ici 2-3 jours sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et on se retrouve très bientôt. Bye.